dès le départ, André Chassaigne a pris la parole pour présenter un petit peu l'ordre du jour. Et j'ai ressenti beaucoup d'émotion parce que dans sa présentation, il y avait beaucoup de fraternité. On sentait que parler de croisade, c'était quelque chose qui vraiment lui tenait à cœur. Et c'était pas fin. Tous les autres députés, on a échangé des regards, mais des regards d'une grande intensité. Moi, je ressentais qu'ils étaient contents de ma présence. Et pour ma part, j'étais vraiment rempli d'émotion. Une émotion, mais vraiment, qui, à un moment donné, je me suis demandé si j'allais arriver à prendre la parole. C'était vraiment un moment très très fort. Alors, ce qui était aussi très important pour moi, c'était de sentir que je n'étais pas le seul à défendre l'héritage de Croizat. Donc il y avait parmi les gens qui étaient présents, il y avait les fidèles parmi les fidèles. Hein, il y a le groupe communiste, il y avait la représentation de la Fédération des métaux CGT, il y avait Michel Etiévant qui a écrit le livre référentiel sur Ambroise Croizat, sur son parcours, sa vie, sur l'homme. Il y avait aussi Bernard Lamiran, le président du comité d'honneur Ambroise Croizat, qui était là. Et quand je suis avec toute cette équipe, je me sens fort. Je me dis, l'héritage d'Ambroise Croizat, non seulement il est vivant, non seulement il perdure, mais tous ces gens qui veulent en récupérer une partie d'une manière indue, eh bien, il y aura des gens qui leur apporteront la contradiction. Et si je peux servir juste à ça, c'est-à-dire je viens apporter à ces gens la caution familiale.